j'ignorais que les dieux pouvaient pourrir. Ils ne sont pas vénérés et finissent délaissés. Mais ce sont toujours des dieux, et ils te tueront si l'envie les prend. Le grand roi Tivaz et ses sujets sacrés ont des yeux à Asgard. Ses yeux l'ont prévenu de votre venue. Il vous a mis à l'épreuve avec son enfant. Vous l'avez secouru. C'est pourquoi les Vanir vous accordent à présent une audience. Grand roi Tivaz, nous vous sommes reconnaissants pour votre hospitalité. Je suis le guerrier Lif, et le roi du clan des Volsung. Mais c'est le compagnon de ma future reine Sigrid qui se présente devant vous. Nous savons les désirs de vengeance de ta fiancée de sang. Vous savez donc ce qui nous amène. Nous ne vous demandons pas de vous lancer dans la bataille. Nous espérons simplement un soutien. Sans quoi nous ne franchirons pas les remparts d'Asgard. Nous avons mélangé nos crachats divins avec ceux de la famille d'Odin. Nous refusons de rompre la trêve scellée dans la salive. Mais n'est-ce pas Thor qui l'a violée en premier ? Nous n'enflammerons pas le monde pour un seul et unique individu. Ce que tu demandes est trop cher payé. Je ne vous demande rien dans ce cas. Non, je vous implore. Mon père a toujours mis un point d'honneur à m'élever dans le respect des Vanir. Depuis toujours, le meilleur hydromel coule à flot en votre honneur, et plus encore la sueur de nos hommes. Je vous en conjure, aidez-nous. Et si nous vous apportions les pommes de l'immortalité ? Moi ? Elles préservaient la vie en ces lieux, jusqu'à ce qu'Odin ne vous les vole. Alors vous vous flétrissez, quand les Aesir connaissent la jeunesse éternelle. L'accès au verger d'or nous est absolument interdit. Mais si vous, simples mortels, entrez là où ne peuvent les Vanir, si vous parvenez à vaincre Fafnir, le dragon de neige... Fafnir ? Et récupérer ne serait-ce qu'une seule petite pomme de son verger, si vous pouvez accomplir l'impossible. Alors oui, les Vanir accepteront de vous aider. Je vous en rapporterai tout un boisseau, et vous rappellerai votre promesse. Notre mortel vous accompagnera. Notre servante, nommée Tira, vous aidera dans votre quête. Et reviendra annoncer votre mort. Alors on va trucider un putain de dragon, c'est dingue ! Non, c'est moi qui vais trucider un putain de dragon. Festoyons ensemble, en l'honneur de ceux qui s'apprêtent à mourir.